بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا إن إيمان إن أنبغي تقواه الله إن أنبغي تقواه الله Et n'a pas beau accepter comme un musulman. Et allez-vous et même sur le monde en bas pour vous l'aider, il sera la mort pour lui, même si vous en priez. Et ben, dis vous et n'a pas quoi vous le droit, et qui crée ce que vous aimez, c'est le neuf. Voilà la mort, il a un zéro de la et depuis sa neuf cela, il qui crée ce que vous وبتمنهما رجالا كثيرا ونساء ايه الذي يكتبهم يشبههما له واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الى تقوى والله سيريك تتسالي سنون مع الجوار والترانزاكسيون بوزيك البريزير ريلاسيون فاميليال ان الله كان عليكم رقيبا C'est un nom à la calade de l'observation. Il y a une autre qui a un peu de temps à la parole de Sadida. Et bien qu'il y a une autre qui a un peu de temps à la parole de Jésus. Il y a une autre qui a un peu de temps à la parole de l'action. Et il vous parle de ذنبان بشيء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سيريده بهي الله ان يضيع المساج الى الله في محمد صلى الله عليه وسلم على وسيله النار في قيام النار الا ان اصدق الحديث كتاب الله سيدنا معقول في ليفري سيريده الله القران وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من يد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ما تسوسي في بيا سبعتوب من الدين وكل محدثة بدعة Tout nouveau côté dans l'île, c'est ma vie de marchand. Ou après la miracle, voilà là. Tout l'île de marchand, c'est les dormants. Ou après la voilà là, il finit tous les dormants dans une enfer. Jean-Islam, plus grand faveur qu'Allah, qu'Allah qui fait à l'humanité. C'est après qu'Allah qui crée une salle. Li pa fin l'insan sa ouren kit lo matere. Au contraire, au fur et à mesure, li fin l'insan pa mesaj
messager-là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prie grand le Sabani dans le Coran. Prie grand devant l'Umma qui vient, c'est l'Umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah t'a réserve pour sa Umma, là, certaines manières qui va vous réserver pour les autres Umma. Et puis grand faveur qu'Allah lui réservé pour nous, qui va les autres pour ma famille bénéficier, Allah garantit, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est maintenant nous finissons descendre al-dhikr, le rappel al-Qur'an, et selon cette prophétie, aussi le rappel. Donc Allah va la bêtise. Certainement nous, Allah, nous voulons rêver le Coran. Et nous voulons rêver aussi Sunna. Parce que ça prophète là, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit concernant. Voilà le deux Coranis Hawa. Lui pas cause d'aller par passion, par ce désir, parce qu'il a envie de dire une dialogue. Il voit il la wahyu yuha. C'est une révélation qu'Allah peut révéler à lui. C'est une révélation qu'Allah peut révéler à lui. Mais c'est même par le monde qui lui fait donner, qui va couper le Coran. Par le pratique qui lui fait faire, qui va mentionner le Coran. Par une permission qui lui vient donner, qui va mentionner dans le Coran, c'est aussi ma révélation qui dit Allah, et il a même la force et sa chair. Par bien qu'Allah lui vient dans un combat, il ne dit pas que le combat est un combat, c'est qu'Allah, dans la paix, il lui vient rêver le Coran, et après qu'il lui vient rêver le Sunna, il lui dit wa inna lahu la hafi. Certainement, nous vous préserve sa rappel là. Le rappel à le Coran avec Sunna est obligé d'en côte à côte. Sans Sunna, nous n'avons pas capable de comprendre le Coran. Même si nous ne sommes pas experts dans le langage, sans Sunna, nous n'avons pas de comprendre le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous connaître les victimes après lui. Et là, quand il vient du Dunya, il arrive. Tant qu'il est là, peu importe qui échoue, peu importe qui problème, peu importe qui va se réveiller dans la communauté musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le Sahaba est allé à l'Israël de mort. Mais quand il part là, quand il vit, il est allé. Il vient nous connaître. Et Allah Ta'ala n'a pas fait une petite nous sans permis. Allah Ta'ala n'a pas fait nous la perdition. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il vit le Coran. Et il dit qu'il se sonne là. Et il donne pour l'autre pour signifier avec sa déa. Pour aller avec Sunna et pour paix. Pour aller avec Sunna avec le mot l'or. Une expression pour dire signifier avec lui. N'a pas zigzagé dans le Coran et Sunna. Trappé pour allié. Faudrait pas nous exprimer l'esprit. Donner le Coran avec Sunna. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement, il met le Coran avec Sunna devant nous, il vient nous connaître. Comment il s'est compris le Coran avec Sunna? Khayrul qarni qarni. Meilleure génération de compréhension du Coran avec Sunna. Meilleure génération de façon qu'ils ont
قلبي مجد نعشور من نعشور جبوبة محمد صلى الله عليه وسلم ذلي اجوا الصحابة ثم الذين يلونهم أصيبا من أخي ثم الذين يلونهم أصيبا من أخي من يزني عشور Génération du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des Jumam Sahaba. Ensuite, génération qui vient après Ban Tabi'in. Ensuite, génération qui vient après Ban Tabi'in. Ça va être si vous n'avez pas surtout Ban Sahaba, Allah Ta'ala fait à nous connaître. Il est satisfait avec Dieu. On est satisfait avec Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait un moukoné qui, ici par nous, il t'a dit Bilal, au Bilal, c'est moi qui te fais parce que je ne me tente pas dans ma haja. Il dit avec 10 sahaba, je ne dors jamais. Il dit avec Ben Moujahidi, Bandi qui participe dans la guerre de Badr, faire ce qui se voulait à l'import de Dieu qui finit les dieux dans le paradis. Et il met nous encore. Il met nous encore dans le ciel. Le soupe ou Ashabi n'a pas blasphème dans son âme. N'a pas blasphème dans son âme. Bon, si dans son âme, c'est un habitant. Bah, ils sont à base de petits coups.
loi de penser comme un réseau qui permet à la loi de penser. Mais pas toute la loi, d'après nos désirs, d'après nos passions. Mais dans le monde prophète, c'est un peu des mots, à cela même des mots. Pas toute la loi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a nous connu. Puis il n'y a aucun intérêt excepté pour financer un jeune sanctifié-là, et puis il n'y a aucun le mal excepté pour financer tout en vol contre le mal-là. Donc ça va être une chose là aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'idée, qui bat la loi qui s'en a, qui bat la loi qui va s'en a. Après le corps de l'Inada, on s'en fait le voir, on va la pomme. On les a les muslims, on les coule les dames, parce qu'on fait au moins un mot à l'enfant. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Dans l'islam, sans l'islam, sa vie qui a la tala qui descend là, sa iman qui a la tala où l'est qui nous est là, quand un petit monde qui pratique sa vie, il a pour un homme sahaba qui pratique lui. Un petit monde qui a une qualité iman qui dans le sahaba tiena, à la tala de lui. Allah Ta'ala dit qu'il a aflaha man zakkaha. Mais lui qui a succès, c'est lui qui purifie ce nafs. Allah fait cause au Sénat Abu Bakr radiallahu anhu et tout le monde qui suit Abu Bakr radiallahu anhu dans purification ce nafs, dans façon qu'il purifie ce nafs. Abu Bakr radiallahu anhu, comment tu purifies ce nafs? Comment tu purifies ce nafs? Est-ce que Abu Bakr radiallahu anhu, tu réunis un petit monde dans l'or, tu bouges les coups pour faire zika? Est-ce que Abu Bakr radiallahu anhu, tu danses, avancer pour faire zika? Est-ce que Abu Bakr radiallahu anhu, il vient faire quelque chose en plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a financé? Non. Jamais. Comment purifier ce nafs? C'est comme un ibadat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Vénaman sunnat nafil, lecture au Coran et surtout dépenser dans vis-à-vis. Dépenser dans vis-à-vis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, mais dans quelle richesse qui va nous jouir? Pareil comme nous jouir de bébé. L'avantage de préserve la limite d'Allah.
ونرى ان المال في المنبوذ
supaya nak sibuk itu pada orang luar orang sibuk nak kumpul iman dia dan Allah itu bawaan kaiti iman di mana sahabat kita itu bawaan kuat di mana sahabat di kumpul iman kita begitu positif di mana sahabat di kumpul begitu kubi sahina kaiti iman sahabat ini wasudawan alhamdulillah.